l'argent, la pauvreté qui rime avec ce monsieur vivant à Nyama, qui parfois n'a même pas reçu 1 million ni 2 millions peut-être dans sa vie, à qui il a remis 1 million sans l'avoir vu. C'est pourquoi il a fait la vidéo. Quelqu'un, je ne l'ai jamais vu. Il est resté au Mali, il m'a envoyé 1 million. Je suis allé le voir à l'aéroport pour lui dire merci. Je me suis couché par terre. Personne n'a demandé au père d'Aloua de se coucher par terre. Le roi ne lui a pas demandé de se coucher par terre. Lui-même, dans son scénario, dans son tapis créé, dans sa marmaille, à vouloir montrer au roi Doudou ce qu'il est tellement prêt pour lui, il s'est couché par terre. Personne ne lui a demandé. C'est dans ça là. Je suis parti chez le roi 12-12 où j'ai fait cette vidéo. Je vous montre ici parce que ce soir ici, on va parler avec les preuves. On va parler avec les preuves. Voilà. On va parler avec les preuves. Vous savez. C'est là que ce jour-là. Attends la vidéo, s'il vous plaît. D'émotion. Parce que ce jour-là, c'est là où j'ai conquis le cœur du roi. C'est là où je suis rentré dans l'estime du roi. C'est que quand ils sont quittés à l'aéroport, ils sont arrivés là. La victoire a fait le buzz partout. Où on dit, le père d'Aloua s'est couché à l'aéroport. Personne ne lui a dit de se coucher par terre. Et ce que les Ivoiriens doivent savoir, c'est qu'à chaque fois que le roi venait à Abidjan, le roi disait toujours au père d'Aloua, il faut arrêter de te coucher par terre. C'est le père d'Aloua qui disait que non, lui il est dans ses frappes, que faut pas le roi va le mélanger à ses trucs, que lui il fait ce qu'il a envie de faire pour montrer son amour au roi. C'est lui-même, dans sa marmaille, dans son vouloir prendre le cœur du roi, a toujours continué à faire ses mouvements de rampement. Personne ne l'a envoyé là, personne ne l'a obligé et personne ne lui a dicté de faire quoi que ce soit. Il n'y a pas un jour le roi est venu à Abidjan sans nous demander qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que nous on veut faire. Il fait toujours à soi chacun pour demander les projets de chacun. C'est comme si c'était une prophétie. Le roi disait toujours, ah pour tout, le père d'Aloua là, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour lui. Hein. Parce qu'il ne faut pas demain... Il va dire que je n'ai rien fait pour lui. Ou que les Ivoiriens ou même les Africains vont dire que je n'ai rien fait pour lui. Et que depuis le début, le roi a toujours cherché comment il va faire pour aider le père d'Aloua. Mais lorsque ton cœur n'est pas disposé, lorsque tu es là, mais tu n'es pas là de manière sincère, Dieu ne peut pas toucher le cœur de la personne qui a envie de t'aider. Il va toujours trouver une solution pour contrecaler. Lorsque la personne a envie de t'aider, c'est ce qui est arrivé au père d'Aloua. Parce qu'il n'était pas là de manière sincère. Parce que lorsque tu étais dans une relation, ou lorsque tu as marché avec quelqu'un, quel que soit comment est-ce que la relation se passe ou s'est déroulée, par ta dignité, par ton amour propre,
Tu n'as pas le devoir de venir t'asseoir pour venir dénigrer la personne parce que les gens ne vont pas te croire. Parce qu'on a tous vu sur la toile ici combien de fois tu as fait les éloges du monsieur. Ce n'est pas le monsieur qui t'a dit d'aller mettre sur la toile qui t'a donné 4 millions. C'est toi-même ton diaïri. C'est toi-même ton tapet créé. Parce qu'on est derrière un tapet créé. Et ce qu'il faut dire, souvent, tu vois un vieux père au quartier, tu vois le vieux père, avec une go. Tu dis, ah mon vieux, c'est comment, ça va, non? Ah vraiment, merci pour les 200 000 hier, hein? Oh, le vieux père t'a rien donné, hein? Mais tu sais que si tu dis au vieux père, là, comme le vieux père avec la go, le vieux père peut enlever même 100 000 francs, 100 000 francs pour te donner, pour montrer à la go, que lui, il est vraiment puissant. C'est ça qu'on appelle un tapet créé. Donc, le tapet créé, là, tu as dit aux yeux du monde, que le roi t'a donné 4 millions. Oh, le roi ne t'a même pas dit qu'il va te donner 4 millions. C'est toi-même, tu as lancé tes filets. Et puis, tu attendais que les poissons puissent mordre la maison. Ce n'est pas le roi qui t'a promis 4 millions. Parce que depuis que je suis avec le roi n'a jamais promis quelque chose à quelqu'un, puis il n'a pas fait. Jamais de la vie. Quand le roi dit, Inch'Allah, Apoutou, je vais faire. Il faut dormir tranquille. Ça prendra le temps que ça doit prendre. Mais ça va s'accomplir. Je ne sais pas si tous les Maliens sont comme cela. Hein. Mais du seul Malien que moi je connais, roi Doudou seulement. Là. Si roi Doudou t'a dit, Apoutou, Inch'Allah. Quand le roi dit, Inch'Allah, net, je crois ça sourit en même état. Apoutou, Inch'Allah, je vais le faire. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais il va le faire. Et c'est ce qui est clair. Tu ne peux pas venir t'asseoir aujourd'hui, le père d'Aloa, pour dire que c'est à cause du roi qu'ils ont opéré ton ventre. Pourtant, ton nombril ressemblait à la tête d'un nouveau-né devant toi. Et ça l'a toujours été. Ton nombril est en train de rentrer dans tes testicules. Le docteur dit qu'il faudrait qu'on puisse t'opérer rapidement, sinon ça pourra exploser dans ton ventre. Faut dire la vérité aux gens, frère. Se coucher par terre et puis ramper pendant 2 secondes là, c'est ça qui va faire que non, on va opérer ton ventre. Non. Ton nombril rentrait dans tes testicules, faut dire aux gens. Ton nombril était gros. Depuis que tu es petit, ton nombril est gros. Les gens qui ont les nombrils, pègou, là. C'est qu'on pègou, en présent pour se moquer de nos amis avant là. C'est même au bril là que le père d'Aloa a depuis les petits. Depuis le père d'Aloa s'est déshabillé là. Vous n'avez pas vu que son nombril était gros? C'est opération d'ombril là. Ils ont fait. Parce que l'ombril a commencé à s'affecter, ils l'ont opéré. Mais tu ne vas pas venir mentir pour dire que c'est à cause du monsieur que toi on t'a opéré. Ce n'est pas possible. Et tu es là, tu dis que vous êtes ensemble, on est avec lui, on ne gagne rien. Le mensonge là, je ne peux plus supporter. Mon frère, tu ne gagnes rien. Le roi Doudou, c'est ton papa. Le roi Doudou, c'est lui qui t'a mis au monde. Toi, à plus de 45 ans, si toi tu conseilles quelqu'un pour réussir encore dans ta vie, c'est que tu n'as rien compris dans ta vie. À plus de 45 ans, si toi tu conseilles quelqu'un pour réussir dans ta vie, mon frère, c'est que toi tu n'as encore rien compris de la vie. Parce que même les jeunes de Dieu aujourd'hui là, ils savent qu'ils doivent compter sur eux-mêmes. Et puis Dieu va envoyer des bonnes personnes pour les aider à pouvoir accomplir leurs rêves. C'est comme cela. C'est pourquoi le ciel dit, aide-toi. Et le ciel te dira. En fait, faut t'aider toi-même. Pour que le ciel puisse t'aider. Quelqu'un que tu ne connais pas, mon frère, qui n'est même pas de ta famille, qui n'est même pas un cousin, un proche, un neveu, qui n'est rien pour toi. Toi seul, dans ton tapis créé, tu as commencé à parler de lui parce que tu as appris que le gars donne l'argent aux gens. Le gars, quand tu parles de lui, un peu net, il te contacte, il te donne l'argent. Tu as appris ça net, tu as commencé à faire des vidéos, porter les habits de Djoula, les habits de Mali au moins. Tu as commencé à coudre les bazets où tu mets sa photo. Tu allais faire pancarte, te promener dans la rue, crier gba, en train de manger foutou. Tu te nourris comme un peu malade. Tu te nourris en train de manger gbia. Je suis, okay? Nous n'avons pas l'argent pour construire, nous avons l'argent pour manger, en train de crier gbia dans toutes tes vidéos, en train de crier gbia. Juste pour que le gars n'a qu'à te remarquer. Le gars t'a remarqué. Il est resté au Mali. Il t'a envoyé 1 million. 1 million là. Voici la vidéo que tu as fait. Le jour où tu as donné 1 million là. Voici la vidéo que tu as fait. Le père de la. Comme tu as oublié, on va te rappeler. On va te redonner la mémoire. Voici la vidéo que tu as fait. Je vous montre ici. Regardez son nombril là. Regardez.
Vous voyez, j'ai zoomé ici. Vous voyez son nombril là, non? Vous regardez son nombril là. Son nombril a toujours été gros. Par exemple, son nombril descendait dans cette testicule. Arrivé à un moment donné, il faudrait qu'on puisse opérer cette testicule. Opérer l'ombril qu'il avait. Ça n'a rien à voir avec le rampement qui prétend que c'est parce qu'il s'est couché par terre, qu'il a eu toutes ces maladies-là, c'est faux. Il avait un gros ombril. Son opération qu'il a fait dernièrement, que vous voyez ici, je montre ici la vidéo, pour qu'on puisse voir ça, mais parce que comme je l'ai dit là, il faudrait que la vérité puisse être. Que c'est parce que nous connaissons la vérité. Ta faute est devenue. On était là. On était là. Je vous montre ici. Voilà, quand il va avoir pitié de moi, il va avoir pitié de moi. Voilà. Mais le maçon, là, il sait qu'il ne pas comme ça. Il sait que c'est un. Je vais vous montrer ici. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Quelqu'un, mais la faute est devenue à lui. Même un jour, on était là. On était là, on partait dans le bateau. Moula, il a dit quoi? C'est pas lui, il rampe. C'est pas lui, faire lui s'asseoir. Regardez ici, vous voyez, non? Le roi, il ne respecte pas les gens. Voilà, vous voyez? Il se confie à. Aujourd'hui, là, son ombril n'est plus là. C'est son gros ombril là. Depuis un erreur, le père Taloua, il nous parle de son gros ombril qui le fatigue. Son gros ombril là le fatigue. Son opération de gros ombril là qu'il allait faire. Mais comme il est malhonnête, comme il n'est pas reconnaissant, comme il oublie le bienfait que l'homme a fait pour lui là, il veut partir. Tu peux partir, mon frère. Mais tu ne peux pas venir dénigrer le monsieur, sachant que c'est un homme d'affaires. Sachant que c'est une personne qui gère ses affaires, ses business. Il vient à Abidjan, j'ai ses business. Il va dans tous les pays, j'ai ses business. Toi, tu vas le traiter de menteur. Mon frère, il faut être reconnaissant quand même pour ce qu'il a fait dans ta vie. Quand tu allais prendre les 1 million et puis crier au marché comme un illettré à qui ils ont sifflé dans son cul et puis il est devenu fou dans le marché. Là. En train de crier, le roi, le roi, le roi, le roi. À ce moment, tu n'avais même pas vu le roi. Hein. Tu as pas déjà été déshabillé. Tu n'avais même pas encore vu le roi. Tu as commencé à te déshabiller. Ta folie a commencé quand tu as reçu 1 million. Comme si c'était la première fois de recevoir 1 million dans ta vie. Comme si c'était la première fois que tu recevais 1 million dans ta vie. Ta folie a commencé déjà au marché de Adjamé. Tu as reçu 1 million sur ma table à te déshabiller. Tu as reçu 1 million. Tu as commencé à te déshabiller. Tu es devenu bête en même état. Le roi n'était même pas encore arrivé. Hein. L'arrivée maintenant du Messie. L'arrivée maintenant du roi Toutouche à Abidjan. L'arrivée maintenant du Baobab, l'arrivée maintenant du Goliath à Abidjan, l'arrivée maintenant du Goliath à Abidjan, te voilà ici, dans ton scénario, où ça y est? Il est où? Te voilà ici maintenant, quand le roi est arrivé à Abidjan, où ça y est? Te voilà ici. Voilà, écoute ici. Écoutez le propos du roi de son père. C'est que ici, là, c'est un report où tu as commencé à citer la signification de 12-12 dans toutes les langues de Côte d'Ivoire. Là, là, ton côté illettré s'est désactivé. Tu as attendu que le roi soit d'avionnette là. Toi, tu comprends toutes les langues d'Abidjan. Tu dis roi Toutouche en baoulé, roi Toutouche en bété, roi Toutouche en anglophone, roi Toutouche en malinké, roi Toutouche en sénoufo. Tu as tout dit ce jour-là. Parce que le roi Toutouche arrive. Écoutez ici, le père d'Aloua parlait du roi Toutouche. En ce moment, c'était la première fois qu'il voyait le roi Toutouche. Arrive, dans le flafla. Voilà, le roi arrive. Partagez les fans. Partagez. Le roi arrive. Le roi arrive. Il est assis par terre. Il a porté habit de Mali. Tu allais faire habit de Mali. Tu as bien dit un fanat de bœufs malades qu'ils ont pris à l'abattoir pour envoyer à Abidjan pour la première fois. Te voilà ici. Tu es couché par terre. Tu as assis par terre. Le roi arrive, les fans partagez. C'est le roi qui t'a dit que tu allais faire boubou. Mets sa photo devant. T'habiller comme un vendeur de cola pour te promener dans Abidjan. Hein? C'est le roi qui t'a dit d'aller t'habiller comme un vendeur de cola. Comme les Zaoussa, on les met dans peu pour les transporter au Niger, quand ils arrivent à Abidjan, quand ils libèrent les animaux, ils commencent à courir pour se promener dans la maison, se promener en ville partout, en train de mendier là. C'est le roi qui t'a envoyé ça. C'est le roi qui t'a dit de faire ça.
C'est le roi qui t'a dit, le père d'Abraham, couche-toi par terre. Que j'arrive. C'est le roi qui t'a dit ça. Allez, écoute ici. Voilà le roi, c'est moi ça. Quelqu'un qui te nourrit déjà, il est ton Dieu. Demandez-lui. Le père d'Abraham dit, quelqu'un qui te nourrit déjà, il est ton Dieu. Donc tu as oublié manger ce que le roi t'a donné là. Tu as oublié ça aujourd'hui. Le père d'Abraham. Manger que le roi t'a donné, puis tu as mangé jusqu'à tu es couché, puis tu dis quelqu'un qui te nourrit déjà, il est ton Dieu là. Tu as oublié aujourd'hui. Ou même parce que tu es rassasié, tu oublies les fois où tu avais faim. Eh l'homme noir, eh l'ingratitude, eh la méchanceté. C'est à cause de vous là, les gens ne veulent pas aider les gens. Mon frère, si tu es fatigué, il faut dire, nous on est là, nous n'est pas fatigué. Nous n'est pas fatigué. Si tu es fatigué, il faut dire, nous on est là. Ta place là même, les gens cherchent ça. Si on a lancé tout de suite appel au poste de Père Daloa, Abidjan sera vide. Ceux qui sont en train de parler pour dire que non, dignité, 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 dignité là. Hein? Si le roi tout ça a fait petit poste, bonjour la Côte d'Ivoire, je viens d'arriver, je suis assigné. Retrouvez-moi pour tous ceux qui viennent prendre la place du Père Daloa, Abidjan est vide. Moi, quand même, je serais étonné. Il va prendre que c'est un jour férié. Abidjan sera vide, mon frère. Si tu es fatigué, il faut job. Nous, on est là. Nous, on n'est pas encore fatigué. Nous, on n'est pas encore fatigué. Manger assez où tu as mangé jusqu'à tu es rassasié. Aujourd'hui, c'est là que tu vas venir cracher dessus. Parce que toi, tu es rassasié aujourd'hui. Dans la vidéo, ça veut dire que quelqu'un qui te nourrit, il est comme ton Dieu. Donc aujourd'hui, tu as oublié tout manger que tu as mangé chez le roi là. Toute nourriture du roi que tu as mangé là, tu as oublié. En allant au Mali, nous a reçu chez lui à la maison, frère. Il nous a traités comme des artistes. Il a mis 4 voitures à notre disposition. Il nous a nourris, blanchis, payé nos billets. Frère, hôtel, c'est que toi du Mali. Aujourd'hui, tu vas venir cracher sur lui. Ok, on écoute. Il est volé. Quand il vole là. Écoutez-le. Il le roi là, Massalo. Le roi, c'est Massa. Quelqu'un qui te nourrit déjà là, il est ton Dieu. Demandez mieux que voler. Ouais. Quand il vole là, c'est le même truc qui parle d'âme. Mais quand il demande quelqu'un à pitié de l'homme, on n'est pas né avec l'argent. C'est l'homme qui fait l'homme. Ouais. Le roi du Dieu qui fait le père d'Aloi. Voilà. À mon âme, c'est que. Dès qu'il a dit que le roi du jour est là, net, il a commencé à pleurer. Il dit, en même temps, il a commencé à pleurer. Comme s'il venait d'annoncer le décès de toute sa famille. Comme s'il venait d'annoncer le décès de ses parents, de ses ancêtres. Dès qu'ils ont dit que le roi sort d'avion net, il dit, écoutez-le ici, il a commencé à pleurer. Le roi. Même au temps de l'esclavagisme, les gens ne regardaient plus, les gens ne voyaient même pas les gens comme cela. Même au temps de César, de Abraham, de Moïse, même ceux qui en enchaînaient, les Kunta Kunta là, mais qui voyaient les blancs et ne plongeaient pas par terre comme cela, mon frère. Personne n'est envoyé. C'est dans ton tapis crié, tu t'es couché par terre, tu as commencé à pleurer. Tu as commencé à pleurer par terre à cause de l'argent, parce que tu as vu l'argent arriver. Parce que quelqu'un, quand il n'a jamais vu, il t'a envoyé 1 million, c'est le jour que tu le vois, c'est que c'est 20 millions, il va donner. C'était ça ta philosophie. Tu étais dans ton tapis crié. Viens pas nous faire chier aujourd'hui là où on est là. Viens pas nous faire chier. On écoute. Même depuis tu es né, ton papa même arrive à la maison, mais tu n'es jamais couché comme ça par terre. Depuis tu es né, même tes parents qui t'ont marché venir, elles viennent, tu n'es jamais couché comme ça par terre. Ton ami arrive net. Le roi est là, tu es couché par terre, tu as crié gbia, 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 gbia. Parce que la pauvreté t'a rendu fou à Niaman. Parce que toi, t'as rendu de la pousse. Chaque jour, tu t'emmènes les ailes et puis tu reviens à la maison. La pauvreté t'a rendu fou à Niaman. Donc, où tu es allé là, c'est l'issue pour sortir de la pauvreté que tu as eu dans le même état. Donc, tu dis là, à la vie, à la mort, tu dis à lancer.
C'est ça. Peut-être que tu habites à Niama, à côté de la forêt. Je suis, je suis allé chez toi. Tout derrière, c'est la brousse. Souvent, les agoutis même sont venus chez toi à la maison et puis ils sortent pour entrer dans la forêt. Donc, la brousse t'a rendu fou. Mais tu es toujours entouré des animaux. Donc, tu penses que le rôle que jouent les animaux autour de ta maison, marcher à quatre pattes là, tu penses que c'est comme ça que le monde marche. Donc, quand tu as libéré ta Niama, tu arrives à quoi tu es une bête. Comme s'ils ont déchaîné un chien. Tu es un fou en méta. Le roi, il t'a envoyé. Est-ce que le roi avait envoyé là? Est-ce que le roi avait communiqué à le père de roi? Une bête en Abidjan. Donc, comme une bête en Abidjan, il m'a jeté par terre. Est-ce que le roi avait communiqué? Est-ce que le roi avait communiqué? Comme une bête en Abidjan, il m'a jeté par terre. Comme une kougroté. Il est cafri le mien, il m'a jeté par terre. Donc, moi le conseil, il m'a communiqué non, le roi avait rien fait dans ta vie. Est-ce que le roi est parent, Béa? Est-ce que le roi avait parent? Est-ce que le roi avait fatigué? Est-ce que le roi là, il fatigué les nier? Est-ce que le roi là, il fatigué les nier? Donc, Abel, qu'a fait, Abel y a aidé. Est-ce que le roi, il fatigué les nier? Il va me sauver, non? Il fatigué, bien, non? Si il fatigué, à tes wari diman, il va me sauver, wari diman. Donc, c'est le roi Abel wari diman, quoi. Donc, c'est le roi Abel wari diman. Il peut 47 ans. C'est que, il peut vieux. Il peut âgé que même le roi. Il peut acheter que le roi. Mais comme il est cafri de nier, il peut donc, il peut faire que non. Oh, le roi, comme il peut acheter par terre, donc le roi, après un milliard, après un milliard, après un milliard, prend, après Diman, il peut m'en. Il manque rien. Parce qu'il peut faire tout là. Parce qu'il peut me donner. Parce qu'il peut faire français, il t'aime. Parce qu'il est illettré, le nier. Parce que si, voilà, il est quoi. Là, il y a un souci là. Non, père de roi, il est cafri le nier même quoi. Voilà, blé qu'il est cafri le nier. Parce que s'il était cafri le nier quoi, il peut partir à la télévision, mais comment que non? Le roi avait menti, le roi avait promis que à Kadiman. Donc le roi, il fatigue le nier quoi. Donc le roi, il fatigue le nier. Le roi, il fatigue le nier. Donc, avait promis que, avait tenu forcément. Moulebe. Moule cosson. Hein? Moulebe. Moulebe, le roi, il fatigue les liens, quoi. Hein? Il fatigue les liens. Il fatigue les liens. Toi-même, tu es là, tu es vivant sur la terre. L'autre dit que non, je vais voir Dieu avant de mourir. Tu dis non, si je meurs sans croiser le roi, ce n'est pas bon. Je n'ai jamais vu le roi. Voilà, moi, il était comme cela. Toi, tu as fait ta dignité. Quand on s'y est meurt, je n'ai jamais vu le roi. Voilà, maintenant, le roi est sort. Écoutons-le. Regardez quand le roi va sortir. Regardez comment il pleure. Regardez. Quand il a vu le roi arriver net, il a commencé à ramper pour aller devant le roi. Le roi aime qui il est. Lui-même s'est assis par terre. Parce qu'il n'a jamais vu ça. Depuis les nés, il n'a jamais vu un homme se jeter par terre devant la face d'un homme. Et sa religion ne lui permet pas de se mettre au-dessus de l'homme et voyant l'homme par terre. L'islam n'a jamais appris ça à aucun musulman. Donc quand le roi a vu que le père d'Aloua est couché par terre, lui-même il s'est assis par terre et puis il a soulevé le père d'Aloua. Il lui dit, mon frère, arrête-toi. Tu me fais quoi là? Le roi lui a toujours dit, mon frère, ce que tu fais là, ça ne me plaît pas. Le roi lui a toujours dit, faut dire ça aux gens, mon frère. C'est toi-même dans ton tapis créé. Tu continues à tuer de faire tes bêtises. Le roi t'a jamais dit une fois de te coucher par terre, jamais de la vie. Si il ment tout ce qu'il demande à Dieu, frère, Dieu va me donner ça. Le roi t'a jamais dit ça. Le roi t'a jamais appelé une fois pour dire le père d'Aloua, j'arrive, viens te coucher par terre.
À chaque fois que le roi doit arriver à Abidjan, il nous appelle toujours. Il t'appelle, il m'appelle, il appelle Pancho, il appelle Adu. Mes frères, ça va. J'arrive à Abidjan pour 2-3 jours à Abidjan. Et puis c'est fini. C'est nous-mêmes, dans notre Djaouri, on se lève pour aller parfois l'accueillir à l'aéroport. Et moi, à chaque fois que le roi doit venir à Abidjan, moi, je cherche toujours une résidence où je dois mettre le roi. Parce que lui, il aime toujours vers le golfe. C'est là-bas son monde. Il est toujours entouré des milliardaires. Parce qu'un milliardaire est entouré des milliardaires. Mais humble qu'il est, et comme il aime la Côte d'Ivoire, et comme il aime les Ivoiriens, comme il le dit toujours, parce que dans chaque vidéo du roi, il dit toujours que j'adore la Côte d'Ivoire et j'aime les Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens sont reconnaissants. Viens pas gâter le nom des Ivoiriens avec ton malobaya. Viens pas nous traiter d'ingrats avec ton malobaya. Parce que nous, Ivoiriens, on n'est pas ingrats. Nous, Ivoiriens, on n'est pas ingrats. Il n'y a pas un grand chez Ivoirien. Quelqu'un qui a fait du bien dans ta vie. Chez le roi, là, nous tous, on a gagné. Moi, j'ai gagné beaucoup en visibilité. Tu as gagné beaucoup en visibilité. On a tous gagné avec le roi. Moi, quand je me vois dans le Goïl, c'est parce que quand le roi vient, on est ensemble toujours, ça crée un petit buzz. Chacun fait ses petits buzz. Ça fait parler un peu la Côte d'Ivoire en visibilité. C'est tout ça là qui, moi, je regarde depuis moi, je suis à côté. Hein. Moi, j'ai aimé le monsieur parce qu'il est humble. Je connais des milliardaires en Côte d'Ivoire. C'est où tu fais ce jeu à la maison. Il est assis à 100 mètres, il est assis à 100 mètres. Je connais. J'ai été chez des milliardaires ici à Abidjan. Mais le monsieur là, en face, il est à la maison. Pancho même enlève son chapeau sur sa tête. Il enlève ses lunettes. Il porte ses chaussures. Le monsieur ne dit rien. Tu as regardé quel riche qui va accepter ça. Quand on va chez les milliardaires à Abidjan ici là, tu le salues, mais on doit saluer le président. Et tu as si loué, il est assis loué. Votre discussion même sont limitées. Tu parles avec beaucoup de respect. Mais le monsieur, là, parfois même en insulte, et puis il rit avec nous. Parfois même en insulte le roi, et puis il rit avec nous. Pancho même enlève son chapeau sur sa tête, enlève ses lunettes, porte ses chaussures. Le monsieur rit toujours. Pancho même se jette sur lui, se couche sur lui. Toi, tu peux aller te coucher si un milliardaire ici à Abidjan. Tu peux aller te coucher si un milliardaire ici à Abidjan. Ce que le roi a accepté avec nous, là, c'est son humilité. C'est parce qu'il a vu qu'on l'aime beaucoup. Il n'a pas voulu mettre des barrières. Mon frère, on n'est pas ses amis. Voilà, Bilay. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. On n'est pas ses amis. Quelle que soit la place que le riche te donne, quelle que soit la place, que quelqu'un qui est plus, c'est que, qui est plus placé, mieux socialement que toi, quelle que soit la place qu'il te donne, mon frère, il faut savoir te limiter. Il faut connaître ta place et tes limites. Pour ne pas franchir de barrière. Moi, je m'en vais toujours chez mon papa Fabrice Aouillon. Je ne peux pas me permettre d'aller chez Fabrice Aouillon et puis me comporter comme un illettré. Même s'il devient Aouillon, même comment, je dois quand même me montrer digne face à lui. Pour que le respect soit mutuel. Pour qu'il dise que ah, ce petit-là, vraiment, c'est un bon petit. Je vais chez maman Manela Olo, la femme la plus debout de Côte d'Ivoire. Mais il y a toujours du respect. Il y a toujours du respect, mon frère. Il y a toujours du respect. Le gars ne nous a jamais envoyé une fois pour aller se coucher par terre. Personne ne t'a envoyé. C'est toi dans ton tapis créé, tu allais faire ça. Aujourd'hui, toi, tu veux partir parce que tu es rassasié. Tu vas venir traîner le monsieur dans la boue, le donner à la venue populaire pour que les gens puissent l'insulter, le dénigrer, le rabaisser, le traiter de menteur, mon frère. On peut être méchant de cette manière-là. Donc parce que pour toi, le roi doit te donner 20 millions. Tu es son papa. Tu es son fils. C'est lui qui t'a mis au monde. Parce que pour toi, toi tu vois tes habits frélatés, tes habits de cadavres que tu as pris au Ghana pour venir vendre. Tes ceintures qui enlèvent sur les morts en Italie pour venir vendre ici à Abidjan à 2000 là. 1 million ça ne peut pas payer ça. Balle même de brode encore de ça coûte combien? Peut-être c'est habit brode. Ce n'est pas habit qui quitte dans le magasin. Lui, Vito que tu vends, c'est habit brode. Balle même ta bille, là, ça coûte combien? Il n'y a pas de balle d'habit qui dépasse même 1 million. C'est 100 000, 200 000, 300 000. Le premier choix, là, c'est 300 000. Tu pourrais payer au moins 3 paquets, 4 paquets de balles pour aller vendre. Ou bien, tes sacs de mort, que ça va prendre ça? Si les Chinois, dans les villages en Inde, dans les villages au Pakistan, pour venir vendre ça à budget ici, là, tes sacs, là, c'est pas broad. 1 million, c'est pas payé. Le monsieur t'a testé pour voir d'abord comment tu y es. Et comme vous pensez que le monsieur est bien avec moi, c'est parce qu'il est intelligent.
lui. Quand vous voulez qu'on parle de lui, on va parler aujourd'hui. Si vous voyez que le monsieur est plus collé à moi, c'est parce qu'il est si intelligent. C'est pas parce qu'il garde vos noms là-bas. Jamais de la vie. Le roi même la fille sait. Je n'ai jamais parlé mal d'aucun parmi vous chez le roi. Au contraire, j'ai toujours dit au roi qu'il faut faire quelque chose. Faut faire ça pour quelqu'un. Faire ça pour celui-là. Faire ça pour celui-là. Faire ça là pour celui-là. J'ai toujours dit ça au roi. Le roi même sait. C'est parce que le roi sait le comportement de chacun. Qu'il prend chacun en fonction du comportement que chacun a envers lui. C'est comme cela. L'être humain n'est pas bête. Hein. C'est pas parce qu'il rit avec nous tous qu'il ne sait pas qui est qui. Hein. C'est pas parce que le roi rit avec nous tous qu'il ne sait pas qui est qui. Hein. Il connaît le comportement de chacun. Il sait qui est là pour quoi. Qui est là pour qui et qui fait quoi. Il connaît le comportement de chacun. Et il prend chacun en fonction de comment est-ce que la personne se vend face à lui. C'est comme cela. Moi, je suis arrivé chez le roi le premier jour. Je n'ai pas montré au roi que je suis intéressé par son argent. Parce que moi-même, je me défends. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire à Poutine National manque de quelque chose à bien. Je suis un debout. Ce n'est pas amusément. Je suis un debout. Ce n'est pas amusément. Hein. Même les statistiques de cela me demandent l'argent. Je suis un debout. Il ne manque pas de quelque chose. Ce n'est pas blanc. Moi, ce n'est pas chanson qui me donne l'argent. Hein. Moi, ce n'est pas chanson. Hein. Moi, je gagne là dans faire des vidéos. Hein. Afin de partager le direct, mettez le cœur. Il est fait pierre. C'est pas amusément même. Pendant que vous me prenez pour un illettré en train de crier biak, 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 sur internet là, j'ai fait pire d'en faire des vidéos là. De toute façon, je vis à Abidjan là. Les artistes qui ont 20 ans de carrière ici là, vivent pas comme moi. C'est pas l'an du roi que moi j'attends pour me nourrir, pour nourrir mes enfants. Hein. Mais c'est l'amour que j'ai pour ce monsieur là. Et quand il me voit, il sait que Aputu National n'est pas là par rapport à son argent. Parce que je renève de ma poche même pour dépenser. Il sait ça. Donc, il ne peut pas me prendre de la même manière que vous. Mais quand il manque de l'eau, 500 francs, vous êtes obligé d'attendre que le roi donne l'argent. Il ne peut pas vous prendre de la même manière. Ce n'est pas possible. Dans la vie, il faut être intelligent, mon frère. Dans la vie, il faut être intelligent. Même si tu es là pour l'argent, il ne faut pas montrer à la personne que c'est son argent seulement qui t'intéresse. Il faut lui montrer que lui-même, sa personne, là, t'intéresse aussi. C'est comme cela l'être humain. Il faut lui montrer que lui-même, sa personne, t'intéresse aussi. Mais si tu es là pour l'argent, on ne va pas aller chez le roi, on assiste chez le roi. Il manque même de l'eau, 500 francs, vous ne pouvez pas payer. Il manque même sucrerie dans la maison, vous ne pouvez pas payer. Le roi a obligé d'enlever l'argent, ou bien appeler Aputu National. Allô Aputu, tu es où? Ah vraiment, il n'y a pas l'eau, hein? Le bas veut voir l'eau, il n'y a pas l'eau. Mais attends, vous voulez qu'il vous prenne mieux que moi? Vous voulez qu'il vous considère mieux que moi? Parce que quand moi j'arrive à l'hôtel, à la résidence, j'ouvre le frigo, il n'y a rien. Belém, il faut aller faire le marché. Va appeler l'eau, tu vas venir. Quand le roi descend de l'autre, quand le roi descend de sa chambre nette là, quand il ouvre son frigo net là, l'eau est remplie, sucrerie est remplie. Qui a payé? C'est Aputu National. Merci Aputu, ça va? Vraiment Aputu, merci beaucoup. Merci Aputu. Il vous voit, hein? C'est comme cela qu'il calcule tout le monde. C'est comme cela qu'il calcule tout le monde, mon frère. Dans la vie, quand tu marches avec les gens, il faut te montrer intelligent. Quand tu es pauvre et que tu sais d'où tu viens là, faut te montrer intelligent que celui qui est en face de toi. Je vais parler chez le roi chaque jour que je fais. Alors le roi, ça va? Le roi a vraiment bien d'un million, mais le roi ne veut pas me considérer. Moi, il a fait un million. Si moi, je demande l'argent au roi, c'est pour faire projet. Si moi, je demande l'argent au roi, c'est pour acheter terrain. C'est pour acheter voiture. C'est pour acheter maison. Je ne vais pas appeler le roi pour dire, alors le roi, vraiment, il vient d'un million. Si moi, je demande l'argent au roi, c'est pour faire clip. C'est pour faire chanson. Ah, le roi a dit quoi? Vraiment, j'ai envie de faire un feat avec Inos B. Comment tu peux faire ça? Bon, mon fils, j'appelle Inos B, je gère. De toute façon, j'ai dit au roi que je vais faire un feat avec Siriki Diabaté. Puis il a payé mon pied d'avion du Mali. Il a parlé à Siriki Diabaté. Et puis il fait chanson à Siriki Diabaté là. C'est ça que moi je peux mettre en moi le roi. Je n'ai pas appelé le roi pour dire le roi, j'ai besoin d'un million. Jamais de la vie. Mais vous, matin, midi, soir, vous avez un problème d'argent. Le père dans loi, matin, midi, soir, tu as un problème d'argent. Matin, midi, soir, tu as problème d'argent. Tu vas jamais appeler le monsieur. Ah, le roi, comment tu vas? Comment tu te portes? Est-ce que ta famille ça va bien? Est-ce que les affaires ça va bien? Est-ce que ton entourage ça va bien? Et madame les enfants, tu vas jamais l'appeler pour ça. Quand tu l'appelles net là, alors le roi, je veux l'argent. C'est ton papa? C'est ton papa. Mais il ne va pas te considérer, mon frère. Il ne va pas te considérer. Il va se dire que tu es là que pour son argent. Mais tu ne vas jamais l'appeler une fois le roi, c'est comment tu vas bien? Le roi, tu sens bien? Le roi, comment vont tes affaires? Le roi est le Mali. Le roi est le Sénégal. Le roi est les enfants.
Au moins, il faut appeler homme pour te soucier de lui, pour savoir comment est-ce qu'il se passe, comment il va. Mon frère, chacun a ses problèmes. Même le riche a problème d'argent. Le riche même a plus problème d'argent que le pauvre, que vous ne savez pas. Le problème du riche, là, c'est trop grand. Toi, tu vois tes problèmes de 1 million, 2 millions, machin. Mais lui, il a trop de problèmes, mon frère. Il a trop de problèmes, tu peux imaginer. Donc, parfois, quand il ne fait pas, là, c'est pas parce qu'il n'a pas envie de le faire. C'est parce que le temps dans lequel tu demandes, là, il n'est pas en mesure de le faire. Mais quand il est prêt, physiquement, moralement, il va faire ce que tu as demandé il y a 6 mois, là. Le jour qu'il est en position, là, il va se rappeler de ce que tu lui as demandé il y a 6 mois. Donc, il faut être juste patient seulement avec les gens. Il faut être juste patient seulement avec les gens. Mon frère, soyez honnête dans tout ce que vous faites. Soyez reconnaissant parce que la reconnaissance paye. Moi, pour tout national, je ne peux jamais gâter son nom parce que j'ai mangé son argent. Même si demain, je ne souhaite pas, je touche du bois. Qui ont dit que le roi n'a plus 5 francs. Moi, je serai en mesure de donner l'argent au roi. Parce que je vais me rappeler de tout ce que le roi a fait pour moi quand il avait les moyens. Je suis très reconnaissant envers les gens. Je n'oublie pas. Moi, je ne peux jamais oublier. Je n'oublie pas. Ne pensez pas que je monte d'ascension, d'ascension, d'ascension là. Ne pensez pas que parce que Dieu me bénit matin, Dieu ne bénit pas les gens parce qu'ils sont bêtes. Hein. Dieu connaît le cœur de chacun. On peut marcher ensemble, on est 10, on est 20. Et puis parmi les 20 là, c'est 1, 2 qui sont à la lumière. Et puis les 18 là ne sont pas à la lumière parce que Dieu connaît le cœur de chacun. Dieu met qui il a envie de mettre à la lumière en fonction de son cœur. Tu ne peux pas avoir un mauvais cœur. Tu ne peux pas avoir une mauvaise pensée. Tu ne peux pas te croire supérieur aux autres, au-dessus des autres, et puis vouloir avancer. C'est impossible, mon frère. C'est impossible. Basile Dembélé n'est pas un mouton. Il connaît chacun de nous. Il sait qui est là, pourquoi, pour qui et pourquoi. Le monsieur est trop humble pour qu'on puisse venir l'humilier de cette manière-là. Le monsieur nous a trop considéré. C'est pas parce que le monsieur a ri avec nous que parce que non, c'est notre ami, c'est notre camarade. Quelqu'un qui cause à le président. Quelqu'un qui tire photo à un président. Quelqu'un qui prend rendez-vous à un président. Il s'assoit avec nous, on mange ensemble dans la même assiette. On va s'oublier parce que c'est notre ami de Sikojibwa. Toi, tu es bête comment? Toi, tu es bête comment? Toi, tu es bête comment? Parce que le gars rit avec nous. C'est le roi qui a fait que ton bête continue. Sinon, il y a longtemps, ton amonance est tuée, terminée, mon frère. Il faut être reconnaissant avec le roi. Comme tu es ingrat, là, je te rappelle aujourd'hui. C'est affaire du roi 12-12 qui a fait que toi aujourd'hui, là, Père Daloa, on continue de parler de toi. Sinon, toi, ton amonance est cul. Ton amonance est cul de bœuf malade que tu as créé, là. Il y a longtemps, c'est terminé. Ça ne prend plus Géou. C'est le roi 12-12 qui a réveillé ton buzz. C'est ton rampement, ton coucher par terre, comme un lézard. Parce que pour toi, il doit te donner des milliards, là, qui a fait que toi aujourd'hui, là, on continue de parler de toi. Sinon, toi, il y a longtemps, tu as oublié, mon frère. Buzz ne tue pas en Côte d'Ivoire. Les Dougoutigui, tous les gars qui ont fait les buzz, les Toutons, quoi que tu vois, on parle de jamais de la vie. C'est pour ça que tu as créé nos systèmes. Le roi tout t'a apporté en visibilité. Il faut être reconnaissant pour ça. Mais si tu n'as pas eu l'argent, c'est à cause du roi tout que toi aujourd'hui, on continue de parler de toi. Il faut savoir ça. Finis t'asseoir là, c'est moi qui fais connaître le roi 12-12 en Côte d'Ivoire. Si toi, tu n'as pas entendu parler de roi 12-12, toi, tu aurais parlé de lui. Il y a combien de riches au Mali là-bas? Toi, tu parles d'eux. Il y a combien de riches en Côte d'Ivoire ici là? Toi, tu parles d'eux. C'est parce que les gars ne te donnent rien que tu parles d'eux. Le monsieur est resté au Mali, t'a donné 1 million de francs CFA. C'est pourquoi tu es devenu fou en même temps. Faut reconnaître ça. Faut reconnaître ça. Faut reconnaître ça. Pour venir le jeter à la vérité populaire pour que les gens le suivent. Les gens le dénigrent. Les gens le rabaissent. Faut reconnaître ce qu'il a fait pour toi, mon frère. Il n'était pas obligé de le faire. Il ne te doit rien. Le roi ne nous doit rien. Au contraire, c'est lui à nous doit. C'est nous à lui doit parce que c'est nous qui avons mangé son argent. C'est nous qui avons mangé son argent. Dans la vie, quand on marche avec des personnes, soyez intelligents, mes frères. À vous qui me suivez sur Internet, là, quand vous marchez avec une personne, montrez d'abord la considération et ne mettez pas l'argent au devant des choses. Quand le roi arrivait à Bidjéber chez lui, et puis il fait travaillement 1 million sur lui, là, vous pensez parce qu'il est si bête. C'est pour l'honorer. C'est pour lui dire merci. C'est pour lui dire que le vieux, faut savoir que malgré qu'on est à côté de toi, là, parmi nous, on est là, là, il y a des debouts. Moi, ici, il y a un debout. Si les autres sont coulés, là, moi, je ne suis pas coulé. Moi, ici, il y a un debout. Donc, quand tu vas vouloir me donner l'argent, là,
faut savoir que moi là, je ne prends pas 1 million, je ne prends pas 2 millions. Je suis un dépou. Donc considère-moi comme un dépou. C'est ça m'appelle un enfant qui est intelligent. Vous pensez que moi je suis bête? Vous pensez que moi je suis bête? Vous pensez que moi je suis bête? Quand on allait chez le roi et puis elle fait travaillement sur le roi 1 million. Et puis le roi est content, il en gère là. C'est pour l'honorer. C'est pour dire le père. Les Ivoiriens t'aiment. Ici en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas mendiant ici. Si le père Daloa se joue les illettrés là, nous on n'est pas illettrés. C'est lui qui veut se jouer les illettrés. Mais il faut savoir que nous là, on est les debout. Quand tu n'es pas un mendiant, as-tu n'es pas un mendiant? Personne n'est un mendiant. Nous en termes on te considère. Donc on a le devoir aussi de t'honorer aussi de la même manière que tu nous honores. C'est comme cela. C'est pourquoi j'enlevais mes 1 million et puis fait travaillement sur le roi. La vidéo même est là encore. J'ai montré ici la vidéo. J'ai montré ici la vidéo. La vidéo là. Ici. Partagez. C'est moi qui fais travailler sur le roi ici. Quand tu applaudissais ici, comme si tu voyais Jésus ou bien Allah devant toi là. Il est très à outrance là. C'est ça qu'on appelle un vrai tapé créé. Donc ne sois pas étonné qu'ils te considèrent plus que moi. Ils ne sont pas étonnés. Et puis en plus même là, il ne m'a jamais considéré plus que vous. Il nous a tous mis au même pied d'égalité. Il nous a tous mis au même pied d'égalité. Il nous a tous respectés. Il nous a toujours honorés. Mon frère, dans la vie quand on t'envoie, comme Babo l'a dit, il faut savoir toi-même t'envoyer. Quand on t'envoie, il faut savoir toi-même t'envoyer. On est ensemble, mais on n'est pas mélangé. Voilà. C'est ça la vraie question. Les moutons se promènent ensemble, mais n'ont pas le même prix. Il y a des moutons qui coûtent 80 000 francs et il y a ceux qui coûtent 1 million. Il y a un mouton même qui est plus cher que bœuf. Ça dépend de la valeur à laquelle tu te vends. C'est comme cela. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va venir s'asseoir, venir te faire. Non, mon frère. Tu voulais partir, tu pouvais partir te taire. Tu pouvais te taire et puis ne plus parler du roi. Quand tu poses question, il est là, il va bien. C'est que si moi je suis là, je suis dans mes activités, c'est comme cela en fait. Dans la vie là, il faut être intelligent. Par la façon que tu as fait là, les gens même qui ont envie de t'aider vont se traiter d'un grand. Pour dire, ah lui là, peut-être que le jour que j'ai l'aidé, qu'il ne va rien avoir, il va venir m'insulter sur la toile. Tu as vendu ta dignité, ton honneur, ta crédibilité, tu as tout vendu mon frère. Tu as tout vendu. Moi-même où il s'assied, il y a des gens qui m'ont promis terrain. Qui n'ont pas encore fait. Mais je reste digne. Parce qu'il me dit que chaque chose arrive à son temps. Chaque chose arrive à son temps. Dans la vie, il faut être reconnaissant pour ce que les gens ont fait dans ta vie, mon frère. Il faut être reconnaissant pour ce que les gens ont fait dans ta vie. C'est important. Les gens ne te doivent rien. Si toi-même, ta propre vie, tu n'as pas pu réussir, ce n'est pas les gens qui vont le faire à ta place, mon frère. Si tu es fatigué, rentre au village, va planter cacao. Tu es fatigué, va élever les animaux au village et leur poulet. Va gagner un terrain, non?
faut faire ta maison, la poulailler. Tu élèves les lapins là-bas, tu commences à vendre un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Après, tu prends la route du Burkina, tu sors au Niger, tu vas au Ghana, tu sors au Libéria. Tu vas où tu as envie d'aller. Mon frère, viens pas nous embrouiller. Le roi ne te doit rien. Le roi ne te doit rien. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne nous doit rien. Sur ce, merci beaucoup à la vidéo de Pancho et de Arthur de Tunis. Dans la ville, soyez dignes, soyez reconnaissants. Le gars là, il nous a donné ses 5 francs à manger, on a bu son eau, on a mangé sa nourriture. Il ne faut pas avoir oublié ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Et surtout, n'oubliez pas, jouez avec mon code promo APU225 sur OneIsBet et gagnez 200% de bonus. Je répète encore, jouez avec mon code promo APU225 sur OneIsBet. APOU 225 sur OneIsBet et gagne 200% de bonus dès le premier déchargement. OneIsBet, merci Paris Sportif. Que Dieu vous bénisse, que Dieu pense à vous, que Dieu vous élève. Je vous aime, je suis avec vous. C'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. On est ensemble. Biaka, c'était le guide. Bon Saint-Valentin à tous. Que Dieu ne vous oublie pas.